La situation dans l'ensemble est claire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. J'espère que le travail sera fait de façon rythmique. Pour conclure, je voudrais vous dire ce qui suit. Répétez que ce qui s'est produit est une nouvelle attaque à caractère terroriste de la part du régime de Kiev. C'est un crime insensé qui n'a absolument aucune signification puisque le pont de Crimée n'est depuis longtemps jamais utilisé dans des objectifs militaires. Ce sont des civils qui ont souffert. La réponse de la part de la Russie sera faite. Le ministère de la Défense va préparer une proposition en ce sens.